Nana. Ach. Q. Du. Allez, on reste en bas. On va ouvrir les hanches. Et on va regarder côté opposé. Allez, on compte jusque 3, on change de côté. On change de côté. Et encore une fois. Allez. Ok, tout le monde est encore là, ça va? Je vois qu'on a une trentaine en ligne, c'est pas mal, super. Merci beaucoup. Bienvenue à ceux qui viennent d'arriver. Ok, on va repartir sur un petit chicot tranquillement. Exercice qui permet vraiment de bien travailler l'ancrage hein, et la puissance des jambes. Ok, donc je rappelle le principe. On va transférer le poids sur une jambe, ici la jambe gauche. Ramener, lever, étirer et redescendre. Tout ceci en lentement. On essaie de travailler lentement. Ok, ça va. Je vous laisse essayer pour ceux qui ne connaissent pas encore l'exercice. Et on essaie de rester bien bas. Ok. Ok, tout le monde est prêt? Allez, c'est parti, une petite série. Aïe! Allez, ni! Pensez à respirer. Ça! Chier! Go! Lock! Nana! Ach! Q! Dieu! Allez, encore 10. Aïch! Ni! Ça! Chier! Go! Lock! Nana! Ach! Q! Dieu! 20, encore 10, aïch! Ni! Ça! Chier! Go! Lock! Nana! Allez, on commence à sentir les jambes. Ouch! Q! Dieu! Encore 10! Aïch! Ni! Ça! Chier! Go! Lock! Nana! Ach! Q!
Dieu. On en a fait 40. Allez, encore 10. Aïe. Ni. Sans. Chier. Go. Bloc. Nana. Atch. Que. Dieu. Allez, 50. Yes. Allez, allez, on relâche. Bravo. Allez, on relâche un petit peu. On va changer d'exercice. Ça va, tout le monde suit? Alors, on va prendre le beau couteau. Ah, donc, je rappelle, si vous n'avez pas de beau couteau, un bokken classique. Aucun problème. Beau couteau, bokken classique. Alors, bon, le beau couteau est beaucoup plus gros et lourd, mais bon. On fait avec les moyens du bord. Et sinon, un manche à balai. Hein, il n'y a pas de problème. OK. Alors, on va continuer un petit peu sur le travail des jambes. Donc, je rappelle qu'on met la main droite en haut et la main gauche en bas. Pour ceux qui découvriraient un petit peu ce qu'on est en train de faire. Donc là, j'ai quelques retours par écrit. Mon fils de 10 ans travaille avec nous. Super. Super. Alors, ok, exercice. On va monter au-dessus de la tête et on descend. Hey. Je remonte le sabre, je remonte les jambes. Ok, sur les jambes. Hey. Ni. 100. Ça va? Ok. Je vous laisse essayer 4-5 fois. Je vais le faire sur un autre angle, voilà. Donc, les pieds sont regroupés. Montez le sabre. Aïe. Ni. Ok, ça va? Ça? Ok. Alors, la même idée que tout à l'heure, ne travaillez pas trop vite. Et pensez à votre respiration pour bien oxygéner les muscles, notamment des jambes. Ok? Allez, c'est parti pour une petite série. Aïe! Ni! Ça! Chier! Go! Bloc! Nana! Ach! Que! Dieu! Aïch! Ni! Ça! Chi! Go! Look! Nana! Ach! Que! Dieu! Allez, va! Encore 10! Aïch! Ni! Ça! Chi! Go! 25! Look! Nana! Ach! Que! Dieu! Allez, ça commence à piquer! Allez, encore 10! Aïch! Ni! Ça! Chi! Go! Bloc! Nana!
À 40, encore 10, allez. Aïch. Ni. 5. Chi. Go. Lock. Allez, encore 4. Nana. Ach. Q. Allez, dernier. Dieu. Aïe. Allez, on relâche. Pensez à vous hydrater un petit peu, hein, comme il fait chaud. Pendant les petites pauses, si vous avez besoin, n'hésitez pas à boire une gorgée d'eau. Un petit peu. Si vous buvez trop, ça devient lourd sur l'estomac. Donc juste un peu, hein, ok? Ok, tout le monde est là, ça va? Alors, on reprend le travail que nous avions commencé précédemment. Hein, donc, je rappelle, on fait un petit test pour voir qui lit Otosu, qui lit Otoshi. Allez, est-ce qu'on se souvient qui lit Otoshi? Une coupe. Voilà, on a quelques... ça tue le... C'est fait pour, hein, ok. Mon plafond est un peu bas, désolé Eric. Ok, donc on reprend avec Kido Tosu, ok, une coupe qui tombe. Alors, on est Kido, hein, on parle aussi de Shomen. Allez. Je rappelle qu'en fin de coupe, votre main gauche, maximum à un point du ventre maximum. Ok, ça c'est trop loin. Ok, un point maximum. Sur l'axe vertical, passons par votre nombril. Kido Tosu. J'inspire et quand je coupe, je souffle. Troisième point important, soyez mobile. Ok, soyez mobile. Les pieds bougent un peu, les articulations sont disponibles pour pouvoir travailler avec l'ensemble du corps. Zentai, l'ensemble du corps. Hein, principe des arts martiaux, Zentai. Je vous mettrai tout ça en commentaire, ok? Allez, c'est parti. Une petite série tous ensemble. Aïch! Ni! Sa! Chi! Go! Lock! Nana! Ach! Q! Dieu! Aïch! Ni! Sa! Chi! Go! Lock! Nana! Ach! Q! Dieu! Aïch! Ni! Sa! Chi! Go! Look! Nana! Ach! Q! Dieu! Aïch! Ni! Sa! Chi! Go! Look! Nana! Ach! Q! Dieu! Allez, encore 10. Aïch! Ni! Sa! Chi! Go! Look! Nana! Ach! Q! Dieu! Aïch! Un
relâche. Et pensez à respirer. Pensez à bien respirer pour ramener l'oxygène dans vos muscles. Parce que là, vous êtes en dette d'oxygène. Donc, l'acide lactique va arriver hein, petit à petit, enfin, va, au fur et à mesure. Et c'est pour ça qu'il faut boire aussi beaucoup d'eau hein, pour bien récupérer, afin de chasser l'acide lactique. Un petit conseil, citron. Citron dans de l'eau. Hein. Très bon pour éliminer l'acide lactique. Petite pause. Ok, ça va? Tout le monde est encore là? On n'a perdu personne? Ok. Donc, Kiyotusu, ok? Deuxième coupe, on enchaîne avec Kesageli. Kesageli. Kesageli, coupé en diagonale. Coupé en diagonale. On a un petit commentaire. Ok, merci Erika. Un coupé en diagonale, ok? Aïe! Aïe! Alors, je rappelle encore une fois, hein, main gauche, en fin de coupe, faites attention. Ne vous laissez pas emmener par votre arme, ok? Ok, contrôlez bien pour rester bien centré. Ok, la main gauche reste dans la zone du nombril. Hein, que ce soit une coupe à gauche ou une coupe à droite. Ok, coupe à droite, coupe à gauche. Ok? Voilà. On va démarrer par une coupe à gauche avec la jambe gauche devant. Jambe gauche, épaule gauche. On est d'accord? Allez, c'est parti. Aïe! À chaque fois, je repasse derrière, ok? Ni! Je repasse derrière. San! Je repasse derrière. Chi! Go! Bloc! Un! Hotch! Que Dieu Aïch Ni San Chi Go Lok Nana Hotch Que Dieu Aïch Ni San Chi, go, lock, nana, hotch, que, dieu, et sans dieu, aïch, ni, sans, chi, go, lock, nana, hotch, Q, Dieu, H, Ni, San, Chi, Go, Lok, Nana, H, Q, Dieu, encore 10, H, Ni, respirez. San, Chi, Go, Lok, Nana, Hot, Q, Dieu, encore 10, Aïch, Ni, San, Chi, Go, Lok, Nana, Hotch, Q, Dieu, et on lâche. Allez, ça va commencer à bien chauffer. On sent les épaules hein, qui commencent à tétaniser un peu. Donc, respirez, relâchez. Hein. L'idée, c'est vraiment de travailler avec la gravité hein, et de laisser votre arme tomber, en fait. Donc, travaille bien avec la gravité, avec l'idée de projeter votre arme. Projeter votre arme. Okay. Donc, projeter votre arme. Pour les pêcheurs, hein, d'accord, ceux qui pêchent, pensez à une ligne que vous allez jeter très loin. Donc, comme à la pêche.
Pour ceux qui ne pêchent pas, eh ben, je vous conseille et je vous invite à essayer. Ok, on a travaillé à gauche et donc on va travailler à droite. Ok, donc même idée, épaule, jambe droite, épaule droite, couper, on repasse derrière, on recoupe. Ok, repassez bien derrière à chaque fois. Quand je repasse derrière, ok, je laisse tomber quasiment mon sabre, vous voyez, je relâche les poignets, je monte les mains, le sabre passe derrière la tête. On arrive au-dessus de l'épaule, on coupe. Allez, c'est parti. On démarre. Sabre, épaule droite. Aïch. Ni. San. Chi. Go. Lok. Nana. Ach. Q. Dieu, ich, ni, san, chi, go, lok, nana, ach, kyu, dieu, ich, ni, san, chi, go, lock, nana, ach, q, dieu, ich, ni, san, chi, go, lock, nana, ach, q, dieu, ich, ni, san, chi, go, lok, nana, ach, q, dieu, ich, ni, san, chi, go, lock, nana, ach, q, dieu, aich, ni, san, chi, go, lock, nana, ach, q, dieu, aïch, ni, san, chi, go, lok, nana, ach, q, dieu. Allez, on relâche et on respire. Allez, on y croit, hein, ça va, tout se passe bien, pas trop difficile. Ok, ok, alors on m'a demandé de revenir sur un petit exercice que nous avions fait dans une vidéo précédente. Shiokiri, ok, Shiokiri, Shiokiri, est-ce que ça vous parle? Shiokiri, ich, enka, ni, enka, san, shie, ok, coupe dans les quatre directions, oui. Alors, c'est noté dans les commentaires des premières vidéos, je crois, ou deuxième, hein, vous irez, je le remettrai en commentaire, d'accord? Alors, dans le descriptif de la vidéo, Shiokiri, ok? Je répète, on va démarrer sur Enka, ok? Couper, Enka. Le sabre au-dessus de la tête, couper. Ok, ça va ça?
Alors, on commence, encore une fois. Aïe! Enka. Ni. Encore une fois. Aïe! Ni. Ok, si vous êtes perdu, faites-le sans le sabre. D'accord? On peut tout à fait le faire sans le sabre. Pour démarrer. Donc, jambe droite devant, ok. Ich, enka, je vais me retourner en fait. Ok, je me retourne et je regarde du côté opposé. Ni, ok, je recommence. Ich, je me retourne, ni. La même chose avec le sabre. Ich, ni. Quand je pivote, mes mains vont monter au-dessus de ma tête. Ok, je me décale un peu parce que je pense que je ne suis pas dans le cadre. Ich, quand je pivote, mes mains passent au-dessus de ma tête. Ni. Ok, je reprends mon sabre. Aïe. Aïe. Ni. On va corser un petit peu l'exercice. On va partir à droite. Hop. Ça. Et on refait un quart. Chi. Ok, ça va, tout le monde me suit? Bon, logiquement, les équipes, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent l'exercice. Aïe! Ni, je pars à droite. Les mains au-dessus de la tête toujours. Ça. Chi. On continue à droite. Go. Enka. Lok. On continue à droite. Nana. Ach. Que. Dieu. Allez, ok, ça va, tout le monde me suit. Donc ça, c'est la base de Kishokiri. On va faire une petite série tous ensemble. Allez, on va aller lentement, d'accord? Aïch. Ni. Ça. Chi. Go. Lock. Nana. Ach. Que. Dieu. Ich. Ni. Sa. Chi. Go. Lock. Nana. Ach. Que. Dieu. Ich. Ni. Sa. Chi. Go. Lok. Nana. Ach. Que. Dieu. Alors, ça, c'était un petit rappel. Shiokiri en Kiliotosu, ok, en chemin outil. Donc, ça, c'était une petite révision. La même chose en Kesagiri. Hein, c'est l'exercice que nous avions fait précédemment. Et voilà, j'ai eu quelques demandes pour qu'on puisse le refaire. Donc, on va revoir. Le déplacement est le même. Par contre, les coupes sont un peu différentes. Donc, je démarre. Observez bien. Je vais vous mettre. Alors, je vais mettre. Voilà. Comme ça, on va démarrer en Kesagiri. Kesagiri, ok? Donc, épaule droite, jambe droite, coupée. Enka, enka, jambe gauche, sabre à gauche, coupée. Ok? Ça va? J'ai perdu personne? Je répète, jambe droite, épaule droite, coupée. Kesagiri. Enka, donc je vais regarder de l'autre côté. Épaule gauche, jambe gauche. Et je coupe. Ok, ça va. Donc, quand je pivote, je passe mon sabre sur l'épaule opposée. Donc, si on le fait, si on démarre à gauche, on passe le sabre à droite. Si on démarre à droite, on passe le sabre à gauche. Ok, ça va. Allez, ok, on fait dans ce plan-là. Je démarre à droite. Eich. Enka. Mon sabre passe à gauche.
Coupé. Enka. On recommence à droite. Enka à gauche. Enka à droite. Enka à gauche. Enka à droite. Allez. Good. On va rajouter deux déplacements pour faire le shiokili, hein, d'accord, la coupe dans les quatre directions. Attention. Donc on démarre à droite, ok. Enka, mon arme à gauche. Je vais partir à 90 degrés. Mon arme repasse à droite. Logique, puisque j'étais à gauche. Kesagiri. Enka, mon arme repasse à gauche. Kesagiri. Je repars à droite. Mon arme repasse à droite. Kesagiri. Enka, gauche. Droite. 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 Allez. Ça va? Vous êtes encore là? J'ai pas perdu tout le monde. Ok, si c'est trop difficile, je réexplique. Si j'ai pas de signe, c'est que tout va bien. Ok, on enchaîne. Quatre, ok, Loïc, quatre. Shiho, Kili, Apo, ce sera peut-être la prochaine fois. On verra, hein, on va déjà un par quatre. Quatre. Hein, on fait une croix, en fait, sur le déplacement, d'accord? Allez, tous ensemble. On essaye. Pour ceux pour qui ça serait trop difficile, restez sur Shiro Kiliotoshi, Shomenuchi. Ça, c'est la base. OK? Allez, on démarre. Jambe droite, épaule droite. Aïch! Ni! Sa! Shi! Go! Lock! Na! Ach! Dieu, Dieu, H, Ni, Sa, Chi, Go, Lok, Nana, H, Q, Dieu, H, Ni, Sa, Chi, go, lock, nana, ach, kyu, dieu, aich, ni, san, chi, lock, lock, nana, ach, Dieu, Aïch, Ni, San, Chi, Go, Lok, Nana, Aïch, Kyu, Dieu, Aïch, Ni, San, Chi, Go, Lok, Nana, Ach, Kyu, Dieu, Aich, Ni, Sa, Chi, Go, Lok, Nana, Ach, Kyu, Dieu, Aïch, Ni, San, Chi, Go, Lok, Nana, Aïch, Kyu, Dieu, Aïch, Ni,
5, chez go, lock, nana, match, que, dieu, reach, ni, sa, chi, go, lock, nana, match, que, dieu. Et on relâche. Ok, ça va, tout va bien. On va revenir sur la première série de l'école Kashima, Kihon Tachi. Donc, je vous invite à pratiquer, 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 quel que soit votre niveau, hein, puisque c'est vraiment la base de l'école Kashima. Hein, et on retrouve dans tous les arts martiaux les Kihon. Hein, je rappelle que les Kihon, c'est les techniques originales qui sont structurantes pour votre pratique. Donc, dans lesquelles on va retrouver les grands principes de base qui vont vous aider à vous structurer dans la pratique. Donc, si je fais un comparatif, si je prends un exemple, on pourrait parler de dans la musique, par exemple, de la gamme, vous voyez, pour les musiciens, voilà. Quel que soit votre niveau en musique, on continue à faire la gamme. Et les experts en musique me diront si c'est vrai ou pas, mais en tout cas, voilà, je sais que pour avoir des amis musiciens, voilà, quel que soit son niveau, on continue à pratiquer la gamme. Et donc, la gamme, voilà, c'est un peu le kihon de la musique, les kihon, si je puis dire. Donc, voilà, on retrouve la même chose dans les arts martiaux, en karaté, en aikido, en kenjutsu, etc., etc. Donc, la première série de l'école Kashima, ce sont les kihon que l'on va sans cesse revoir, revoir et revoir. Donc, on va démarrer. Allez, petite interro pour ceux qui auraient suivi les cours. petite interro. Allez, on va voir. Ashi, Balai, Ukibune, pour voir si on se souvient de ce qu'on a déjà fait tous ensemble. Allez, je vous embête. On va démarrer. Alors, Akibala et Ukibune, c'est le deuxième kata de l'école de la première série, ok, hein, où on va venir en barrage, eight, et finir en Kesageri. Voilà, c'était juste un petit exemple pour vous taquiner un peu. On va reprendre la série dans l'ordre, donc on va revenir sur le premier kata, Kesageri, Kesageri, ok, Kesageri. Donc, on démarre toujours pieds joints sur la première série. Jambe droite, le partenaire se place et on va venir jambe gauche, épaule gauche, aïe, Kesageri. Le partenaire se place, essayez de visualiser votre partenaire. Jambe droite, épaule droite, aïe. Allez, on recommence tous ensemble. Pieds joints, jambe droite. Jambe gauche, épaule gauche. Aïe! Jambe droite, épaule gauche. Aïe! Contact. 1, 2, 3. Jambe droite. Jambe gauche, épaule gauche. Aïe! Jambe droite, épaule gauche. Épaule droite, pardon. Aïe! Contact. 1, 2, 3. 3. Ok, change d'angle. Jambe droite. Jambe gauche, épaule gauche. Aïe! Jambe droite, épaule droite. Aïe! Contact. Ich, ni, sa. On recommence. Jambe droite. Jambe gauche, épaule gauche. Aïe! Jambe droite, épaule droite. Aïe! Contact. Ich, ni, sa.
jambe droite, jambe gauche, épaule gauche, aïe, jambe droite, sabre, épaule droite, aïe, coupé, contact, ni, ça, jambe droite, jambe gauche, épaule gauche, aïe, jambe droite, épaule droite, aïe, contact, ich, ni, ça. Encore. Jambe droite. Jambe gauche, épaule gauche. Aïe. Jambe droite, épaule droite. Aïe. Contact. Ich, ni, ça. Allez, sans parler. Eux. Aïe. Aïe. Encore une fois. Aïe. 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 Ok. Deuxième kata. Ashivalai Ukimune. Donc, on va démarrer. Pieds joints. Jambe droite. Kesageli. Le partenaire faisant la même chose. Les kesagili s'annulent. Aïe! Ici, vous pouvez imaginer que le partenaire a la même attaque que vous, donc on a exactement en position miroir. Et le partenaire va venir couper votre jambe, donc on va venir en blocage. Aïe! On reprend le contact sur le contrôle sur la tête. Passer derrière, jambe gauche. Aïe! Épaule gauche. Ok, je change d'angle. Jambe droite. Kesageli. Aïe! Tout! Jambe droite. Kesageli. Aïe! Montez le sabre du côté gauche. La jambe arrière, la jambe gauche qui est derrière, va venir se positionner derrière la jambe droite et je descends. Pour bloquer l'attaque sur le genou. Aïe ! Et je prends le contrôle du partenaire en avançant la jambe droite. La pointe du sabre au niveau des yeux. Devant le visage. Et on termine. Kesageli. Jambe droite. Aïe ! Jambe droite. Kesageli. Aïe. Contact. Ich, ni, ça. Alors, je rappelle un point important sur le Kesageli. Ok, donc, je reprends mon ruban pour pouvoir visualiser la coupe. Très souvent, les gens oublient de faire une coupe et donc présentent leur arme. Voilà. De cette façon-là, ok. Voilà. Et donc, on voit bien que le ruban n'est pas emmené, par même si je le fais très fort, vous voyez, il n'y a pas de projection du ruban. Ce qui signifie que l'effet de coupe n'a pas lieu. Il manque l'effet de coupe, vous voyez. Voilà. Donc, faites attention, l'idée, c'est de bien faire une coupe. Aïe ! Vous voyez ? Il faut qu'il y ait une projection de votre ruban. Si vous avez un ruban, je vous invite. Alors ça coûte 3 euros ou 4 euros sur Amazon. Et ce qui est très intéressant pour visualiser vos coupes. Vous voyez ? Donc, projection. Aïe ! Voilà, vous voyez le ruban ? Le ruban est passé devant. Vous voyez ? Et donc, on se rend bien compte, un critère observable. Par rapport à votre pratique, pour pouvoir progresser, je vous donne des outils. Vous voyez, on se rend bien compte que, aïe, on a une coupe qui s'arrête, puisque le partenaire a la même chose en face, mais on a quand même une coupe. Donc c'est cette idée-là, vous voyez, cette idée-là. Aïe,
projection du ruban. Donc, je vais faire le kata avec mon ruban. On va. Aïe! Changement d'angle. Pied jambe. Jambe droite. Aïe! Tout! Ok, ça y est. Contact. Jambe droite. Aïe! Tout! Ok, ça y est. Jambe droite. Aïe! Tout! Encore une fois. Jambe droite. Aïe! Tout! Encore une fois. Jambe droite. Aïe! Tout! Je reprends mon bokken, mon beau couteau. Ok, on va le refaire sans le ruban. Ça va? Tout le monde suit encore? Vous êtes encore là? Jambe droite. Kesageli. Aïe! Montez l'arme au-dessus de l'épaule gauche. La jambe gauche vient derrière la jambe droite. Et je descends sur la ligne. Ashibalae, hein, pour bloquer l'attaque. Casser l'attaque. Jambe droite pour reprendre position. Le sabre au niveau des yeux du partenaire, devant le visage. Et on finit sur Kesageli. Aïe! Contact. Itnesa. Ok. Deuxième kata. Ça va? Je ne vous ai pas perdu en route? Ok. Troisième kata. Kiliwali. Kili Wali, Kilou, coupé, Walou, cassé, séparé, un peu avoir une image de séparé en deux, vous voyez, séparé en deux. Donc on démarre toujours, pied joint, jambe droite, le partenaire va venir attaquer en Shomenuchi, Kili Otosu, ok, sur votre tête. Et donc, riposte en Shomenuchi, avec cette idée, encore une fois, de la spirale pour venir casser le Shomenuchi du partenaire. Aïe! Et on finit sur Kesageli. Tour! Contact. 1, 2, 3. Jambe droite. Le partenaire vous attaque. Kiliwali, casser l'attaque du partenaire. Avec l'idée de la spirale, la scène. Aïe! Kesageli. Tour! On finit jambe gauche. Jambe gauche. Encore une fois, jambe droite. Essayez de visualiser l'attaque du partenaire. Aïe! Tour! Contact. Encore une fois, jambe droite. L'attaque arrive. Aïe! Tour! Je change d'angle. Jambe droite. Visualisez l'attaque. Aïe! Tour! Contact. Reprendre position. Continuez ça. Jambe droite. Aïe! Tour! Une fois, jambe droite, l'attaque arrive sur votre tête, la spirale, Shomenuchi, aïe, Kesageli, tour, contact, aïe, tour, aïe. Tour! Donc, c'est fini.
finissez le kata pieds joints comme vous l'avez démarré. Logiquement, à peu près au même endroit. OK ? Si les distances sont respectées. Même idée, mais avec une attaque différente. Quatrième kata. Waritsuki. Casser un tsuki, hein, une pique dans le ventre. OK ? Donc, l'idée, hein, OK, le partenaire va arriver et piquer dans votre ventre. Et donc, encore une fois, on va venir Walu, hein, l'idée de séparer, de trancher, en fait, de casser l'attaque. Pardon. Donc, démarre pieds joints, jambe droite. Imaginez, essayez de visualiser l'attaque du partenaire. Hein, et encore une fois, cette idée de spirale pour venir surpasser l'attaque du partenaire. N'hésitez pas à englober assez largement l'attaque. Aïe ! Et on finit toujours sur un kesagi. Tour ! Contact. 1, 2, 3. Jambe droite. Visualisez l'attaque dans votre ventre. Aïe ! Tour ! Contact. 1, 2, 3. Alors, petit détail technique. On va essorer le sabre quand vous allez rentrer. Vous voyez cette main. Vous finissez le pouce gauche vers le ciel. OK. Pouce gauche vers le ciel. Shiboru. 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 Donc pour les karatékas, par exemple. Aïe! Alors, ça dépend comment on donne le coup de poing. Hein. On peut le donner aussi comme ça, mais voilà, imaginez que, par exemple, vous avez un tanto et dans la frappe, vous allez retourner votre arme. Donc, cette idée-là. Hein. Aïe! OK, voilà, on recommence. Jambe droite. Visualisez l'attaque. Aïe! Kesagi. Tour! Contact. Jambe droite. Aïe! Jambe droite. Jambe gauche, pardon. Tour! Face caméra. Jambe droite. Visualisez l'attaque. Englober et surpasser. Kesagiri. Tour. On finit jambe gauche. 1, 2, 3. Cinquième kata de la première série. On aura fait toute la série. Ça va, je ne vous ai pas perdu en route. Kulai Tachi. Kulai Tachi. Retour en position. Alors, on démarre toujours pieds joints, jambes droites. Encore une fois, le partenaire va venir attaquer sur votre tête. On chômène. Et donc, je vais prendre position très fortement pour venir contrôler l'axe du partenaire. Le sabre du partenaire va venir à la rencontre du mien. Ma position étant très forte, son sabre disparaît, glisse, ne peut pas passer. OK ? Aïe ! Et on finit en kesagi. Tour ! Pieds joints, jambes droites. Visualisez l'attaque. Aïe ! Kesagi. Tour! Contact. Retour en position. Alors, encore une fois, je vais reprendre mon ruban. Point important, comme tout à l'heure. Hein, l'idée, c'est qu'il y ait encore une fois une projection, une coupe. Bon, je vais mettre cet angle-là. Je démarre, jambe droite. Hein, encore une fois, regardez le ruban. Aïe! Tour!
le ruban doit passer devant, vous voyez. Donc, je vous invite vraiment hein, à vous acheter un ruban comme ça. Ça coûte vraiment pas cher. Et ça permet vraiment de visualiser les coupes. C'est vraiment intéressant, vous voyez. Et le travail de la spirale, vous voyez. Donc, je vous invite vraiment à vous en procurer un. Je pense que c'est, voilà, en GRS, si vous avez peut-être des personnes qui font la GRS autour de vous. Voilà. Jambe droite, projection. Allez ! Tour ! Encore une fois. Jambe droite. Visualisez la coupe. La coupe arrive sur votre tête. Allez ! Tour ! Encore une fois, jambe droite. Aïe ! Tour ! Contact. 1, 2, 3. Encore une fois. Jambe droite. Aïe ! Qu'est-ce qu'il dit ? Tour ! Contact. 1, 2, 3. Ok, on va refaire toute la série tous ensemble, tranquillement. Et je vais essayer de le faire pas trop vite et sans parler beaucoup. D'accord ? Je vous laisse observer et me suivre au fur et à mesure. Ok ? Tout va bien ? Allez, on démarre. Premier kata. Kessa Guili. Allez ! Tour ! Encore une fois. Allez ! Tour ! Ashi, Balai ou Kibune. Allez ! Tour ! Encore une fois. Tour. Encore une fois. Allez. Tour. Ok, troisième kata. Kiliwani. Allez. Tour. Encore une fois. Allez ! Tour ! Quatrième kata. Walidzuki. Allez ! Tour ! Encore une fois. Allez ! Tour ! Encore une fois. Tour. Cinquième kata. Kurai Tachi. Aïe. Tour. Encore une fois. Aïe. Tour. Encore une fois. Tour. Dernière fois. Aïe. Tour. Alors, on va faire le salut tous ensemble. On descend à genoux. Main gauche, épaule gauche. Pardon, genou gauche. On salue. On ramène son arme sur sa jambe gauche. On se relève, on recule, on passe l'arme à droite et on salue. Allez, arigato gozaimashita. Merci beaucoup.
Je vous propose pour finir ce cours, enfin cette séance plus qu'un cours, hein. Cette séance, voilà, tous ensemble, je vous propose quelques étirements. Allez, on va se mettre sur le dos. Aïe. Pour démarrer, donc encore comme la dernière fois. Donc, est-ce que vous me voyez, ça va? Ok, je vais baisser un peu la caméra peut-être. Merci beaucoup. Merci Denis, merci. Je sais pas comment ça se dit. Merci beaucoup. Alors, ok, ça va? Alors, on va finir. C'est important de s'étirer, je vous rappelle. N'hésitez pas à vous étirer tous les jours. Ok? Allez, on va démarrer avec des petits mouvements de balance, de balancier, pardon. De gauche vers la droite, de la droite vers la gauche. On va dissocier les jambes et aller un peu plus loin. Merci à tous, en tout cas, pour ceux qui nous quittent. Un grand merci pour votre participation. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si vous voulez avoir plus de contenu. J'en mettrai régulièrement. Et l'idée, c'est de continuer, en fait, même après l'épisode du confinement, je pense que je continuerai... Enfin, à voir comment tout ça peut prendre forme. Hein, okay. L'idée aussi, c'est de partir de vos questions. Donc, n'hésitez pas à mettre des questions sous la vidéo, sous les vidéos qui peuvent peut-être venir nourrir la séance et permettre à tout le monde d'en profiter. Hein, d'accord. Donc, n'hésitez pas. Voilà. Ok, on va venir croiser, passer la main à l'intérieur, chercher le genou. Posez bien la tête au sol, c'est important. Et on va ramener tranquillement les genoux vers le buste en soufflant. Encore une fois, chacun ses limites et chacun ses capacités. Si vous avez des difficultés ou peut-être une blessure ou un souci, adaptez l'exercice. Hein, adaptez l'exercice. Voilà, donc c'est... On est à la limite entre le désagréable et l'agréable. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Ok, on change de jambe. Ok, on va se relever. Alors, un exercice que les yogistes connaissent bien. Voilà. Allez, on va aller chercher derrière. Donc, je croise. Ok, ça va? Je ne suis pas trop vite. Moi, je croise. Voilà. Ici, bien dans l'axe. Essayez de bien garder le genou près du buste. Hein, et on va aller regarder derrière. Avec l'idée, encore une fois, de s'étirer un maximum. Et associer l'étirement avec le souffle. Ok, on change de jambe. Voilà. Alors, si vous avez problème de genou, on peut le faire aussi comme ça, par exemple. Voilà, pas de problème. Voilà, pour ceux qui peuvent, croiser les jambes. On plie. Allez. Allez, on enchaîne avec un peu de makoro. Donc, position du makoro. Alors, le makoro est une. Ce sont des exercices qui viennent du shiatsu. Donc, vous pouvez voir sur internet, hein. Sinon sur la page, je vous mettrai le lien à Makoro. Hein. Vous avez une série de 5 exercices qui permettent de faire un peu le bilan de vos méridiens et qui aussi permettent de s'étirer. Donc c'est très très bien. Hein, on fait d'une pierre deux coups.
Hein, et à l'origine, c'est un docteur, un maître de shiatsu japonais qui a créé ces exercices. Et pour information, par exemple, les sumotori utilisent dans leur entraînement quotidien ce type d'exercice. Deuxième exercice du Makoro, on va essayer de venir voilà, descendre. Alors encore une fois, chacun ses possibilités. Voilà. Donc, quand je descends vers le sol, hein, essayez de garder la rectitude du rachis, ça c'est important. N'arrondissez pas votre dos. Okay. Alors pour finir, je vous propose un petit exercice en lien avec ce qu'on vient de faire, qui va vous permettre. Alors, est-ce qu'on me voit? Oui. Ok, je vais me décaler un petit peu. Alors, excellent pour détendre le bas du dos. On vient contre le mur, les fesses bien collées. Vous voyez? Et donc, on va laisser la gravité faire son travail. Voilà. Alors là, je vais faire en résumé, hein, puisque sinon, voilà, ça va être un peu long. L'idée, c'est de rester voilà, au moins 5 minutes comme ça. Alors bien sûr, encore une fois, chacun son niveau. Mais c'est clair qu'en dessous de 5 minutes, bon voilà, les effets sont un peu légers. À partir de 5 minutes, ça devient intéressant. Voilà, donc démarrer avec 5 minutes, par exemple. Et puis petit à petit, voilà. Vous allez sentir que vous pouvez progresser. Et si vous le faites tous les jours, voilà, c'est un exercice qui est vraiment intéressant pour garder, pour gagner en souplesse. Donc, n'hésitez pas. Et aussi en relaxation, hein, puisque pendant, voilà, on essaie, vous pouvez travailler la respiration, gros ventre, petit ventre. Et j'associe donc les étirements et voilà, la relaxation, ce qui est vraiment intéressant et ce qui nous fait aussi gagner du temps, vous voyez. On fait deux choses en même temps. Vous voyez bien à ce que les jambes restent collées au mur, hein, d'accord? Si les genoux se décollent, faites attention. Il faut que ça soit bien collé. Hein. Voilà, pour la vidéo aujourd'hui, comme on est en direct, je ne vais pas le faire trop longtemps, hein, mais n'hésitez pas à continuer après la fin de l'émission, après la fin de la vidéo. Voilà. Aïe. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Donc, je vous remercie beaucoup et je vous dis à la semaine prochaine. N'hésitez pas vraiment à venir en commentaire, poser des questions. Hein, je me ferai un plaisir de regarder et de préparer tout ça pour le prochain cours. OK ? Voilà, merci beaucoup. À bientôt. Bonne semaine à tous. Ouais. Arigato gozaimashita. Merci. Matane. Merci. Merci à tous.